te l'ai dit, je m'en vais juste au dépanneur, me chercher une pinte de lait, Simonac. Hey, c'est-tu lui, t'es cap? Oui, John. Il est tellement badass! Tiens, je capote des rêves, moi! T'es pas en twist? J'ai manqué de balle, John. Ouais, pis. Hey, faut que tu battes contre lui. Hey, c'est mental! Je suis capable de rêver, man! Deux robots qui se battent! Hey! Il me domine, John! Sauf toi! Oui! Bon, ben, va aller chercher ma pinte de lait, je t'attends plus! John Connor. Et où suis-je? Mais qu'est-ce que c'est, ce liquide? Je dois protéger John Connor. Hey, t'es revenu, toi, hein? T'es revenu, je pensais que je t'ai débarrassé. Hey, juste une question de même, là. T'as-tu le choix dans le futur de où est-ce que tu vas apparaître? T'as-tu un GPS pour t'aider, te guider à savoir où apparaître? Non, John. Non? Parce que vraiment, t'as de l'air smart, là. Là, t'as vraiment de l'air épais, là. T'es tout trempe à la vette, t'es un robot. Moi, je t'étais inquiet. T'es revenu, là? Ça fait deux grosses semaines que je me demande où est-ce que t'étais. T'étais parti dans le futur, John. Par quoi? Me faire réparer et j'avais stationné ma voiture en double. Ah, ok. Ouais, ça, je comprends ça. Ben, c'est pas de changer de sujet, là. À deux semaines, moi, je t'attends à savoir que c'est qui est arrivé avec toi, là. Moi, j'avais acheté ma pinte de lait, là, t'es en train de passer dans le frigidaire parce que t'étais pas là. Puis je me demandais, justement, à ta bataille. T'as-tu gagné contre tes caves ou si t'as perdu? Je n'ai plus vaincre tes caves, John. Il est trop fort. Ah, oh, t'es pas sûr. On doit quitter ta demeure. Ah, oh, je veux pas partir de site. On va aller à Skynet, John. Oublie ça, moi je vais pas à Skynet pour faire tout, je reste titre, c'est l'été, je lisais mon livre, la piscine est là, je vais profiter de l'été pour le peu de temps qu'elle dure. Pas question, je vais aller à Skynet, t'étais censé me protéger, tu le fais pas, c'est pas mon problème. Je suis ici pour te protéger, John. Nous devons quitter votre demeure immédiatement. Nous devons aller à Skynet pour éliminer cette menace. Nous avons besoin pour mener l'armée, l'armée des entre-humains dans le futur contre les robots. Futur robot, ouais? Sans toi, le futur pour les humains est perdu. Le futur des humains. Moi, je suis la raison du futur des humains. Hey, Winner, regarde-moi là. Tabam. Je t'avais dit, t'as pas le bon gars. Moi, je jouais le jeu. Mais ça me tente pas de partir de site, OK, là? Ce n'est pas un jeu, John. On doit quitter votre demeure immédiatement, John. Si le TKR te retrouve, ce sera la fin du monde. Alors, la fin du monde, ça fait tellement longtemps que je n'entends parler de la fin du monde. Depuis que j'ai 8 ans, que j'étais à l'école primaire, que les profs ou les élèves, c'est la fin du monde aujourd'hui, puis ça arrive pas. Même de nos jours, je prends des journées de maladie. De ma job, spécialement quand ta radio y annonce qu'une journée, c'est la fin du monde. C'est du niaisage, ça arrive jamais. Nous devons nous sauver, John. As-tu du transport? Ben oui, moi j'ai un char, mais... Prenons-le. Non, prends pas mon char, man. Au prix que l'essence coûte, là, moi je prends pas mon char pour monter à Yorbleuvert, je sais pas trop où, monter dans les montagnes. Oh, surtout que tu protèges pas le bon gars. No way. Moi je peux pas le gars. Non. As-tu un autre moyen de transport, John? Nous devons quitter cet endroit immédiatement. J'ai un bessic au pire, mais bon, écoute... prenons-le, John. Pas sérieux, prendre le bessic. Voyons, c'est un bessic à pédale. On est tata les deux là-dessus, là. Allons-y, John. Ah, tabarouette, man. Je sais pas si tu vas... En arrière, ça va... Tabarouette, tu m'en demandes des affaires, toi. Ah, quoi, peut-être que c'est bon. Peut-être que les filles vont aimer ça, me voir qu'en arrière de moi, c'est un robot. Peut-être, c'est pas, mais... Allons-y, John. T'as moi pas honte, toi. Jamais, John.